aujourd'hui les mecs, on va spin pendant 24 heures. Et mon unique but, être le plus riche des fruits du dragon. Alors bon, si toi aussi tu veux être un giga achète des spins, je te conseille vite de cliquer sur le bouton s'abonner. Donc si t'es bien gentil, tu pourras pas la technique. Parce qu'ici les mecs, il y a zéro sneak. Les gars, vous savez quoi? On commence directement dans le ciel. Bon, juste les gars, pour être curieux, on va voir combien il nous demande. Par tout hasard, 87 000. Exactement, ouais. Mais frère, avec ça, je pourrais m'acheter un bête de gamos. Non mais là, après cette vidéo, hein, go l'appeler sur la michto, frère. Il est sérieux, hein? C'est pas normal qu'ils nous prennent autant de sous. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est même pas sûr d'avoir un bon fruit. Donc bon, les gars, on est en quelque sorte tous addicts aux fruits du gacha, hein. On a 88 000 dollars. Non mais frère, même toi, tu sais pas faire autant d'argent rapidement. Pff, je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Parce que je vais vous dire un truc, les mecs, le savoir, c'est une arme. Ce qui veut dire que quand tu sais faire des sous, eh ben même si t'en perds, tu vas savoir en refaire. Alors bon, les gars, hein, ceux qui diront que je suis pauvre, les gars, ce mot il est réservé pour les noobs. Ah, mais je parie, les gars, hein, qu'il y a toujours quelqu'un ici. Si j'ai raison, vous m'appelez le GOAT pendant une semaine. Ouais, ça doit être ça. Ah non, mais c'est bon, regarde ça, il y a déjà quelqu'un et il m'a kill. Bon, au moins, les gars, il m'aura kill maintenant, hein. Parce que bon, si je spin un bête de fruits, il pourra pas me kill. Ben ouais, les gars, c'était prévu qu'il me tue. Vous le savez pas, mais j'ai tout dans le cerveau. Tu mens. Faut pas oublier que j'ai le record du monde, les gars. J'ai 10 000 de QI. Tu mens, frère. Bon, allez, c'est parti, les mecs. Très bien. Bien sûr, je spin le lumière. Non, mais frère, hein, je suis choc barre. Hein. Si j'ai pas meilleur que lui, franchement, là, je suis un noob. Hein. C'est la teon. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. J'ai pas assez d'argent, mais comment ça? C'est quoi ce dinguerie, frère? Ok, donc ça me coûte 89 050. Le mec se permet de faire de l'inflation au fruit du gacha. Ah mais je vous dis les mecs, on va se mettre à manifester, hein. C'est pas normal que ce bug là, il augmente les prix comme ça, hein. Allez, c'est tipeur, on spin, guettez-les, il est encore là. Les gars, eux c'est des SDG, sans domicile gacha. Parce qu'ils font quoi? Ils ont pas de domicile et ils restent devant le gacha, c'est logique. Bon allez, c'est tipeur, Ziol frère, donne-moi un bon fruit. Allez, 3, 2, 1, j'achète, let's go, c'est le fruit noir. Oh, c'est bien. Incroyable. Mais franchement, hein, ça c'est une masterclass. Alors bon, ouais, ton skin frère, avec tes saucisses, tes bacon sur la tête là. Ta gueule! Guettez-moi les, c'est fou, c'est des ravagés des fruits. Bon, est-ce qu'au moins je peux storage le fruit ici, s'il vous plaît? Je peux pas, j'ai qu'un storage. Ah non, mais il me fait de la peine, les gars. Ça se voit qu'il commence le jeu. Tiens, mon ref, fais-toi plaisir, te le fais pas voler par contre. Hein. Oh, je sais même pas qui c'est qui la récupère. Hein. Mais guettez-moi ça, c'est ce bug. Mais frère, toi t'es déjà riche, donne-lui le fruit, fais preuve de gentillesse. Les riches, mon ref, ils sont humbles. En fait, je m'en fous. Guettez ça, il mange le fruit devant lui. Oh, mais lui, les gars, c'est un Tsera. Bon, après, les gars, je suis un peu d'accord avec le mec, hein. Comment ça, mon ref? Parce que bon, les noobs, faut les endurcir. Faut que ça devienne des bonhommes. Frère, s'ils se font jamais victimes, ils vont rester des noobs à vie. Donc vous inquiétez pas, ça fait partie du processus pour qu'ils deviennent des goats. En tout cas, nous, on passe au prochain spin, c'est Tipa. Les mecs, guettez-moi ce giga chat de Tismé sucré. Et vous allez certainement me demander pourquoi y a pas de meuf avec moi pour la Saint-Valentin. Mais les mecs, tout simplement parce que la Charo Life, c'est terminé. T'es un très très gros menteur. Nous, on est là pour becter, on est là pour faire des sous, on est là pour se mettre bien niveau fruit. Parce que bon, excusez-moi les gars, mais quelle meuf voudra d'un mec qui est pauvre, hein? Absolument personne, ben oui. C'est pour ça qu'il faut que tu sois blindé, comme ça tu auras tout ce que tu veux. Bon ben c'est parti les mecs, on va spin. Très bien, bien évidemment mon ref que je veux un fruit. Fruit aléatoire, bien évidemment que je veux l'acheter. Attention, c'est le fruit du caoutchouc. J'aime bien. Bon, est-ce que je peux le storage les gars? Ça c'est la question qu'on se pose tout le temps. Allez, c'est parti, storage s'il vous plaît, oui, ça c'est incroyable. Bon ben les mecs, là on est sur une masterclass. Vous voyez, quand vous pouvez storage le fruit, là c'est d'une satisfaction incroyable. Mais vous savez quoi, c'est tipa pour le prochain spin. Et guettez-moi l'entrée de la Rosta. Mes frères, faut m'inviter au défi de mode. Qu'est-ce que vous attendez pour passer les billets du tapis rouge? Parce que bon les gars, tous les tiktokers là, les kabilem, tout ça là, moi je vais les mettre à l'amende. Guettez-moi les gigabibis, frère. Je rappelle, les gars, qu'on doit se choper le fruit du dragon. Et lui, il est très clairement en train de flex. Bon, mon ref, hein, c'est pas un flex. Mais si tu voyais mon inventaire, je pense que ouais, tu ferais une crise de Pepsi, frère. Guettez-moi ça, j'ai 10 dragons. Je pourrais en passer à tout le serveur. Il m'en restera encore un. Ouais, bon, on va éviter, les gars, parce que dans cette vidéo, on est là pour être bénef. On est là pour être stonks. On n'est pas là pour faire les restos des fruits. Vous savez quoi, les mecs? C'est parti, on va spin. Je vais envoyer slash sub to Maliko. Vous le connaissez, les mecs. Il est temps de l'invoquer. Ce célèbre code, El Mythical Code. Bon, c'est parti, les mecs. On l'achète, attention, c'est faire tourner le fruit. Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? Alors non, commencez même pas à dire que c'est le code, hein. Les mecs, je vous jure que dans le site 3, c'est un scammer. Oh ta gueule. Et tu t'es peut-être jamais demandé pourquoi il était tout au fond. Eh ben parce qu'il est gaze, mon ref, c'est comme à l'école, quand t'es tout au fond, t'es nul. Voilà, bien sûr les gars, j'étais second degré et je rigolais, hein. Franchement, la team qui se mettait au fond de la classe, c'est les goats, c'est les meilleurs, c'est nous les best. Exactement, ouais. Bon les prochains fruits, c'est tipa. Mais je vous dis là, je suis revenu les gars, c'est pas des lol, hein. Et vous savez quoi les gars, je vais carrément le kebra, guetter le bazooka que j'ai sorti. Donc slash te goom ou donne-moi un fruit. J'espère ça passe. Mais je vous dis les gars, on est plus là pour la hack. Nous ici, on passe à l'acte. On aime pas les gens qui blablatent. Donc mon ref, hein, t'as intérêt à me donner le fruit, hein. Si tu me le donnes pas, je tuerai tout le monde, hein. Et tu sais quoi, je te volerai tous tes fruits. Ah mais là je vous dis les gars, le coup de pression on est passé, hein. Allez, c'est tipa, on achète et c'est le fruit du caoutchouc. Incroyable mon ref. Mais j'ai eu nettement mieux qu'au dans le 6-3, c'est une dinguerie. Donc morale de l'histoire les mecs, venez spin dans le 6-1-6-2. Ah mais c'est pas moi qui le dis les gars, hein. Celle-là c'est clairement la vidéo que vous voyez, hein. Vous avez la preuve concrète sous vos yeux, hein. Donc bon déjà, est-ce que je peux storage le fruit s'il vous plaît? Ben ouais, c'est incroyable. Guettez-moi cet inventaire, frère.
frère. Là, tu mets Jeff Bezos devant, il est pas autant riche. Ah bah, les gars, on est là cette année, on vit, on becte. Donc bon, c'est pas, on passe au prochain spin. Bon, bah, les gars, je fais mon combat avec France Monde. Quoi? Non, qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Je voulais dire Miss Monde, mais en mec, mais j'ai pas réussi. Et con quoi. Bon, vous l'avez compris, les gars, nous on est Tismé Monde. Et celui qui se moque, les gars, je vais le retrouver. Ouais, ça doit être ça. Et je vais lui passer des fruits. Eh ouais, ici, on n'est pas la violence, les mecs. Vous savez quoi, en parlant de fruits, je vais clairement lui donner des fruits. Bon, le rat que je suis, les gars, vous doutez bien que c'est du mytho. Ouais, mais commencez pas à dire, les gars, faut le garder entre nous. Je vais lui dire, donne-moi un bon fruit et t'auras un fruit perme kitsune. Les gars, vu que c'est un oub, il va tomber dans le piège. Allez, c'est type 1, 3, 2, 1, let's go, j'achète. Et c'est dans 1h25. Mais mon toilette, je suis plus rapide. Ouais, voilà, c'était chelou. Parce que je sais pas si on t'a dit, mais ici, le temps c'est de l'argent. L'argent c'est des fruits. Les fruits, les mecs, c'est quoi? C'est la richesse. Et la richesse, c'est le bonheur. Donc, les mecs, moralité de l'histoire, ne perdez jamais de temps dans votre vie. Mais c'est le goat qui le dit, hein, les gars, c'est le gigachad. Hein. Allez, let's go, on achète et c'est le fruit du smoke. Ouais, t'as trop la rage. Il m'a dit, please light. Et ben, mon ref, t'inquiète pas, c'est pareil que light. Sauf que c'est encore plus pété. Nous, les mecs, on passe au prochain spin, c'est pas. Ah, mais là, je vous dis, les mecs, on se chope la masterclass. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va appeler du monde. On va leur dire, venez, je vais spin drag. Ah, parce que nous, les gars, on persévère. Faut croire en ses rêves. Et les rêves, c'est quand? C'est la nuit. Gaëtez dehors, les gars, il fait nuit. Eh ben, c'est parfait, c'est le moment de spin. Le mec, il m'a dit vraiment. On va lui dire, lui, viens BG. Voilà, prends. J'ai pas intérêt à me taper un smoke ou un vieux fruit pété. Hein. Ah, parce que je vous dis, hein, ça sera la teon. En plus, le mec, il arrive vraiment. Ah non, mais frère, pourquoi j'ai fait ça? Gaëtez ça, y'a déjà lui, y'a lui. Y'a notre book qui arrive. Oh, mais les gars, j'ai tout le serveur sur moi. Il y a encore un book qui est venu, Reda. Toi, je te dis, tu as porté chance. Bon, allez, les mecs, c'est parti. Gaëtez tout le monde derrière moi. Oh, je stresse à la mort. Ah, mais je dis là, les gars. Même Ronaldo et Chocbar dans ma stresserie. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, let's go, j'achète. Et c'est le fruit du Falcon. Mais les gars, En fait, là, j'ai deux choix. Soit je fais croire que j'ai crash coup, soit les gars, je me taille. On va aller à bout, Kevin, frérot. On va quitter Block Street. Ok, les gars, on va tailler, les gars. Faut pas qu'il voient le fruit là. Ça va être la teon, frère. Je peux pas, les gars, je peux pas. Est-ce que je peux le storage? Moi, s'il vous plaît. Non, le mec qui arrive, il a vu. Oh, il a vu le fruit. Frère, on va le cacher. Non, non, mais t'as rien vu, mon ref, t'as rien vu. Heureusement que c'était pas mec qui nous avait suivi. Je vous dis, hein, que le fruit, les gars, il est super bien caché. Bon, les mecs, prochain spin, c'est pas. Moi le jean skinny Jimmy, frère. Non mais il m'est passé quoi par la tête ce jour là? Mon skin Roblox, il respire plus les jambes. Gaetez-le, il a eu son vieux smoke. Non mais frère, pourquoi tu me le donnes? Est-ce que je peux le storage? Au moins s'il vous plaît, bah ouais. Là mon ref, je te remercie d'avoir spin. Oh, par contre je t'ai pas dit de faire la toupie Beyblade là. Ça à la limite les gars, c'est un skin à 200 V-Bucks sur Fortnite. Il est sérieux? Bon allez, c'est type 1, on va spin. Bien évidemment on met une technique avant. Parce que bon les gars, vous commencez à comprendre que les techniques ça fonctionne. Eh ben oui les gars, on mange pas un tacos sans tenders. Bah ouais. Logique. Donc c'est quoi? Je vais carrément tout retirer et on va se faire passer pour un noob. Un mec, un gros schlaguito, un mec qui bue. Bon, les gars, bref, c'est parti. Nous, il nous faut le dragon. Parce que bon, quand il va sortir, frère, carrément, les gars, il y en a après le dragon rework, ils vont vivre dehors. Ça va augmenter le taux d'SDFisme. Bon, j'ai déconjugué pour que ça paraisse plus stylé, mais c'était claqué en fait. En tout cas, nous, c'est parti. On est un gros noob. On est un noobard. Vous savez quoi? On va écrire d'une manière d'un noob. Je suis. On va écrire comme ça. Noob. Mais là, je crois qu'on peut pas faire pire. Hein. J'espère qu'il n'y a pas des profs de français devant ma vidéo. Parce que là, vous allez faire une crise de Pepsi. Hein. Donc, allez, c'est parti. On achète. 3, 2, 1. Let's go. Et c'est le fruit du Falcon. Claqué au sol. Non, mais je crois qu'il a pas pris au sérieux ma mission infiltration là. Il m'a passé le fruit du pigeon, frère. Bah, je vais quand même essayer, les gars. Parce qu'on fait partie de la team Ragang. Donc, bon, c'est bon. Vous savez quoi? On passe au prochain spin. C'est type 1. Les mecs, logiquement, si on est abonné à un goat Maliko, ben on va avoir un fruit goat. Eh oui les gars, c'est de toute logique. Donc vous savez quoi, c'est parti, on va lui dire je suis abonné à Maliko. Ok, c'est bon, j'ai envoyé. Ah mais là je vous dis, hein, normalement frère, on se chope un fruit de fou, hein. Bon je sais pas si Ziol t'es abonné, mais t'as intérêt à le faire. Allez c'est parti, on achète et c'est le fruit du ghost, incroyable. Mais franchement les gars, c'est pas mal, j'aime bien. Est-ce qu'on peut se le sourire? On va le mettre dans l'inventaire si possible, j'en ai déjà un. Ah non mais je vous dis, hein, lui les gars, c'est pas un goat, hein. Rien à foutre. Donc bon tiens mon ref, la menace, ça me donnerait que t'es une menace, t'es gentil mon ref, t'es tout doux. Parce que bon là tu fais pas peur. Et en plus de ça il m'a dit merci. Eh ben les gars, c'est bien ce que je disais, c'est un mec gentil. Bon allez, prochain spin, c'est type 1. Voilà les mecs, j'ai peut-être la technique ultime. On va lui dire de nous passer une masterclass. Et bon les gars, s'il est bilingue, il sait ce que c'est qu'une masterclass, hein. Normalement t'as même pas besoin d'être bilingue, hein. Si t'es un goat, tu sais ce que ça veut dire. On va lui dire donne-moi la masterclass de ton inventaire. En plus de ça, il y a des mecs derrière moi, wesh. Frère, j'ai un spectateur qui est complètement choc-bar. Bon nous les gars, on est là pour spin, c'est type 1. Très bien. Bien sûr que je veux le fruit. Allez, j'achète. Attention, c'est le fruit du gosse. Non, mais en fait, faut me dire, les gars. Coupez les caméras. Dites-moi que c'est la blague, là. Ouais, c'est quoi? C'est Greg Guillotin qui est en train de faire un tournage, là. Faut me dire. Ça fait deux fois que je me tape ce vieux fruit. Il m'a passé le fruit du light. Mais c'est le goat. Frère, t'es grotesque. Bon, là, vu
que t'es un chat, mon ref, t'es chatesque. Wesh, il a eu dragon, non mais c'est mytho. Ne me dites pas qu'il a eu le fruit qu'on réclame depuis le début, hein. Ne me dites pas qu'il a eu la masterclass, hein. Parce que bon, les gars, hein, j'y crois moitié. Bon, par contre, si j'ai un conseil à te donner, si tu veux pas que je te donne ma malchance, clique sur la vidéo que je te mets à l'écran. N'oublie pas de la liker, et moi je te dis à la prochaine, c'était Malico, ciao ciao.